Ben, ce matin, j'avais envie de faire du pain, il me fallait de la farine. Donc, on s'est dit pourquoi pas venir au moulin, tout simplement. Et ben, je pense que c'est parti pour la visite. Allez, go! On va s'attaquer à l'ascension de la tour. On aura une vue magnifique, je pense, du haut. C'est parti! Ça va être long. Donc là, on est sur les toits. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais tendre encore un peu plus. Donc, vraiment pourri. Pas moyen d'aller en haut de la tour. L'escalier derrière toi est cassé, donc on s'arrête ici. Et voilà, par contre, ce qu'il y a de très très dangereux, attention, même à l'écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'ascension qu'on a dû faire. Donc, les escaliers se rétrécissent plus on monte et il n'y a pas de rambarde. Voilà, il faut vraiment faire attention. C'est quand même dangereux d'enlever que c'est là. Là, oui, ouais. Là, on ne faisait pas les manins en montant. Après, c'est bon, les escaliers sont larges. C'est pour monter à peu près à quelle hauteur on est? Dans ce bâtiment là, j'ai remis la cagoule. C'est inondé aussi, donc infiltration ou eau de pluie. Donc dans ce bâtiment, il n'y a plus grand chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était? Tu as des machines derrière toi. Alors, ce que c'était, donc ça s'appelait les grands moulins de Paris. C'est vraiment un très grand bâtiment. Rien que pour l'ampleur du bâtiment, on a voulu venir. C'est vraiment, je crois que c'est le plus gros qu'on ait fait pour l'instant. Ça doit faire à peu près 150 mètres de long. Donc c'est vraiment beau bâtiment. Voilà. Même s'il n'y a plus grand chose dedans. Voilà. Donc là, on est en dessous des silos. Donc les silos qui se situent à l'extrémité du bâtiment. Comme on peut voir, c'est là où ils récupéraient la farine par les trappes. Voilà, il y en a, je ne sais pas du tout combien il y en a, ils sont numérotés. Là, j'ai un 52. Voilà, donc il y a peut-être une centaine là-dedans. Ben voilà, on vient de visiter le moulin, comme tu as vu. Donc celui-là qu'on a pris est beaucoup, beaucoup plus gros. Visite sympa, juste pour l'architecture. Dedans, il n'y a plus grand-chose. Beaucoup de béton, beaucoup de bois. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc pour un bâtiment qui a presque un siècle, car construit juste après la guerre, la première guerre. Et voilà, que dire de plus, rien du tout. Il faisait de la farine. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Salut!